Je te salue dans le nom de Jésus. Je sais que la parole de Dieu ne change pas. Et l'onction du Saint-Esprit s'abattra ce soir d'une manière exceptionnelle. Voilà pourquoi j'inviterai les protocolaires, les hommes, d'être forts ce soir, parce que l'onction, c'est aussi si particulière, parce que toi, tu es particulier. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 14. Nous commençons au verset 22. Il est écrit ceci. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder de l'autre rive pendant que lui renvoyait le foule. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir étant venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième heure de la nuit, Jésus alla vers ses disciples en marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit la parole et lui dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi de marcher aussi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était si fort, il eut peur et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils achevaient la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézaret. Les gens de l'endroit rencontrèrent Jésus, reconnurent Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena le malade. Ils les supplient enfin de toucher seulement la frange de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. Qui dit Amen. On peut acclamer le Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que vous êtes venus à ce lieu. Ce n'est pas que vous avez manqué à faire. Vous avez eu beaucoup d'occupations. Il y a de ceux qui sont venus de très loin. Il y a de ceux demain qui doivent travailler, qui ont autant d'occupations. Mais ce soir, tu as dit, je dois aller rencontrer le Dieu de Tony. Tu es venu à ce lieu. Et la Bible dit, tous ceux qui le cherchent avec leur cœur le trouvent toujours. Cherche-moi Dieu, tu me trouveras, dit l'Éternel. Mais faites-le dans le Seigneur. Un jour Jésus était avec ses disciples. Après avoir prêché, il a fait deux miracles. Il a multiplié les pains. Les gens ont mangé. Et à cause de ce miracle, personne ne voulait se détacher de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le miracle est très important dans le ministère. L'évangile sans miracle n'est pas la parole de Dieu. Et le miracle sans la parole
n'est pas de Dieu et la parole sans miracle n'est pas de Dieu. Les deux vont de pair. Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagne tous ceux qui auront cru. Et Jésus lui-même dit, si vous ne me croyez pas par la parole que je vous annonce, croyez quand même par les miracles que vous voyez. Un ministère doit être marqué par des signes. Et je dis à un enfant de ce soir, si dans ta vie, tu ne vis pas un miracle particulier, il sera très difficile, même ta famille, de croire à ton Dieu. Il doit y avoir un changement. Tu viens d'où et où tu pars avec ton Dieu. Avec Dieu, on ne fait pas de surplace. Avec Dieu, on avance. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu dois prospérer à tous égards, dans ta vie, dans tout ce que tu entreprendras, dans ta santé, dans tes affaires, il faut que tu prospères. Et la Bible dit, il montait dans la barque, les disciples étaient partis, mais Jésus, sachant que la traversée ne sera pas facile, il est monté à la montagne pour chercher son Dieu, pour prier. La chose la plus difficile aux chrétiens aujourd'hui, beaucoup de nous ne prient pas. Nous ne prions quand nous venons à l'église, l'intercession d'une heure du temps, de 30 minutes, nous prions. Mais plein d'enfants de Dieu qui prennent le temps seuls. Parce que la prière a trois dimensions. Il y a la dimension de tout le monde de l'église, il y a la dimension de l'intercession, mais il y a la dimension d'intimité avec le Seigneur. Où tu dois être seul avec Dieu, où tu dois lui parler. Même Christ lui-même, il prie avec tous les disciples, il prenait trois disciples, il partait avec eux, il les laissait et lui avançait seul devant son Dieu, là où il doit répandre son cœur, il n'a pas de choses à cacher à son Dieu, où il doit parler réellement de tout son cœur. Mais aujourd'hui, la prière devient quelque chose de forcing. On va gêner, ils exagèrent aussi. On va faire ceci, pourquoi on doit le faire? Les disciples sont partis, mais Jésus est parti à la montagne pour prier. La force de l'enfant de Dieu, le secret dans le ministère, le secret dans les affaires, le secret dans la vie spirituelle, c'est le genou devant le Seigneur dans la prière. Priez Dieu. Et la Bible dit, quand les disciples étaient partis, seuls, sans Jésus, ils ne pourraient pas avancer. Le vent était fort. Et le vent était contraire. Nous venons des familles embricadées des situations difficiles. Vous savez ce que nous sommes, nous les Africains. Personne ne veut que l'autre prospère. Personne ne veut que tu sois béni. Même les membres de ta famille, même tes propres frères, il y a de ceux qui ne veulent jamais que tu sois prospère. Une fois que tu es béni, tu deviens le plus grand sorcier de la famille. Que personne ne meure. Et dès que quelqu'un meurt, c'est lui, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a ceci. Et toute la famille oublie toutes les prières qu'ils ont adressées à Dieu. Seigneur, bénis-nous dans cette famille. Fais quelque chose dans notre famille. Et une fois que le Seigneur puisse faire cela, la prière n'est plus la même. Qui dit amen? Et la Bible dit, il est parti prier, et les disciples seuls sans Jésus dans la barque. Est-ce que je voulais savoir dans ta vie, tu marches avec Jésus? Est-ce que Jésus est dans la barque là où tu te trouves? La barque ce soir, ce n'est pas ces bateaux, mais c'est ton cœur. C'est ta vie. Dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais, est-ce que Jésus est-il au centre de ce que tu entreprends dans ta vie? Soit. Comme tu as tes possibilités, tu as tes moyens, tu as tes relations, tu dis je ferai et je réussirai. Mais je vais te rassurer une chose ce soir, sans Jésus-Christ, malgré tes relations, malgré tes efforts, malgré tes moyens, tu vas toujours échouer. Quelqu'un m'aurait dit un jour, mes évangélistes, mais nous voyons les pas réussir sans Dieu. J'ai dit c'est faux. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Soit ils sont dans l'occultisme, soit ils sont avec Dieu. Le juste milieu n'existe pas. Et ceux qui sont dans l'occultisme, je vais vous dire une chose.
ce sont des feux de paille. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché quand je vis l'homme qui a fait l'appel, Job. Il écrit avant de mourir. Il dit, Seigneur, j'ai goûté le succès du monde. J'ai eu tout ce que l'on pourra avoir. Le monde entier, les autorités ont tremblé devant moi. Mais me voici sur le lit de l'hôpital. Personne n'est à mes côtés. Pourquoi j'ai travaillé? Tout le succès, toute l'intelligence que j'avais, à quoi me servirait tout cela? J'ai eu l'argent, j'ai eu des jets privés, j'ai eu des gens pour me conduire. Mais maintenant, malgré mes moyens, je manque à payer quelqu'un pour prendre ma maladie. Tu ne trouveras jamais une personne qui prendra ta maladie, qui prendra ta souffrance. Mais c'est soi, je connais quelqu'un qui peut prendre cela. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Parce qu'il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Il est capable de prendre ta maladie. Parce qu'il dit, écoute, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, quel que soit celui qui chante à ton oreille, du matin au soir, chérie, je t'aime. Je ne te vois pas, je ne dors pas. Je ne mange pas. Tu sais. Mais ces jours-là, il sera incapable de prendre ton fardeau. Mais c'est l'homme qui a dit, je t'aime. Et il dit, même quand il traversera la vallée de l'ombre de la mort, je traverserai avec toi. Même quand tu descendras dans la tombe, il descendra avec toi. Un ami fidèle, my God, Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Tu peux tout manquer dans la vie, mais ne manque pas Jésus. Ne manque pas Jésus. Oh, j'ai tout ce que j'ai. Des maisons, des immeubles, des voitures. J'ai l'argent dans mon compte. Mais tout ça, c'est rien. Parce que le jour où on nous appelle, le jour où la trompette sonne, pour chacun de nous, à la position où tu seras, tu ne sais pas où, dans quelles circonstances, à ce temps-là, tu n'as même pas le temps de dire, laisse-moi faire un mot, laisse-moi écrire, laisse-moi dire, tel qu'il te trouvera, tel qu'il te prendra. Voilà pourquoi je me souviens de ce grand prophète, Salomon, le prophète, je l'appelle, qui dit, Seigneur, pourquoi j'ai travaillé? J'ai travaillé pour le vent. Pourquoi je suis né? Mais n'oubliez pas, depuis que la terre a été créée, aucune personne n'a été bénie comme cet homme. Il avait tout ce que son cœur désirait. Il avait 1000 femmes reconnues. Mais la nature n'a que 365 jours. 1000. Des assiettes en or. Il changeait de vêtements 3 fois par jour. Mais un jour, il se met sur les tentes de sa maison. Il regarde toute l'ampleur qu'il avait. Le gens venait de partout pour l'adorer, pour écouter son intelligence, sa sagesse. Le gens venait de partout. Mais il regarde tout ce qu'il avait, la splendeur de sa grandeur. Il dit, tout est vanité, vanité de vanité. Voici le temps de dire, Seigneur, me voici. Et la Bible dit, Jésus, quand il a vu ses disciples partir, lui, il a commencé de marcher sur les eaux. Sur l'eau, il marchait. Et les disciples regardèrent, ils virent un homme marcher sur l'eau. Je dis à quelqu'un qui est un fantôme ici de la famille, les gens vont t'appeler fantôme. Je dis à quelqu'un ce soir, si dans ta famille, le gens ne ressuscite pas, toi tu réussiras. Je dis à quelqu'un ce soir, si dans ta famille, le gens ne se marie pas, vous êtes condamné au célibat, toi tu vas te marier. Si dans ta famille, le gens ne se lève pas, mais toi, tu feras la différence. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Ce n'est pas en vain. J'ai toujours dit, si ton Dieu est mort, essaye les miens. Je connais ce Dieu. Ils l'ont vu marcher sur l'eau. Les disciples se disent, parce qu'il y a 4 apôtres de Jésus qui étaient de grands pêcheurs, qui connaissaient bien la mer. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait André,
il y avait Jacques. Quatre, qui étaient des grands pêcheurs. Et le jour qu'ils se sont rencontrés avec Jésus, ils étaient en train de faire la pêche. Ils se dirent, depuis que nous sommes nés, même dans l'histoire du monde, nous n'avons jamais entendu, nous n'avons jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. C'est ce qu'on dira de toi aussi. Nous sommes nés dans cette famille. Nous sommes grandis. On n'a jamais vu quelqu'un réussir. On n'a jamais vu quelqu'un faire la démarcation. On n'a jamais vu quelqu'un faire ceci. On n'a jamais vu, on n'a jamais vu. Mais je dis à quelqu'un ce soir, si on n'a jamais vu, toi tu seras le premier qu'on voie. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Je ne suis pas n'importe qui. Et la Bible dit, comme il s'écriait, fantôme, fantôme, fantôme. La Bible dit, saisi de frayeur. Comme disait le pasteur tout à l'heure, moi je m'inquiète. Moi je suis triste de voir dans nos églises le nom des sorciers, de féticheurs. Ce nom est plus élevé que le nom de Jésus. Alors que ces gens ne sont rien. Ils sont nuls. Parce que la Bible dit, moi Christ, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le scorpion, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais les sorciers, c'est des histoires. Ils ne sont rien. Et d'ailleurs, je suis désolé de parler des sorciers, de citer même leur nom quand je suis en train de prêcher. La Bible dit, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et la Bible déclare encore, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, nous avons des sorciers, des magiciens, des marabouts. Nous avons autant, je ne sais pas qui. Mais la Bible déclare, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous, c'est Jésus. My God. Quel jour tu comprendras cela? Nous craignons même des insectes, des cancres là. Tu vois les fourmis au nom de Jésus. Mais non, ne gaspille pas le nom de Jésus, n'importe quoi. C'est comme si quelqu'un qui utilise les bombes B-52 pour écraser les insectes, je ne sais pas quoi. Non. Le nom de Jésus plus que la bombe B-52. Parce que les démons n'ont jamais eu peur des bombes. Ni ne tremble jamais. Mais il y a un seul nom. Quand vous le citez, même sous la terre, le monde tremble. Voilà pourquoi ce soir, quand nous allons prier à ce lieu, aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne va résister. Tu ne rentreras pas comme tu étais venu. Ce soir, oh my God, merci l'homme de Dieu pour le travail que vous êtes en train de faire. Vous savez, nous les Africains, nous n'acceptons quelqu'un quand il n'est plus. On fait des hommages. Il était un homme de Dieu. Il faisait ceci. Mais si aujourd'hui on dit, ah, Tony travaille. Vous êtes en train de l'élever pour rien. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'il a lui? Et la Bible dit, l'un des disciples, Pierre, prit la parole et dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi aussi que je marche. Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur aujourd'hui? Dans ta prière de ce soir, que veux-tu dire à Dieu? Tu as entendu les gens témoigner. Tu as entendu les gens dire, j'étais stérile, Dieu m'a donné les enfants. J'étais malade, ce Dieu m'a guéri. J'étais sans emploi, il m'a donné le travail. J'étais sans papier, il m'a donné. J'étais ceci, voilà ce qu'il a fait. Mais c'est soir. Je voulais dire à quelqu'un que tu puisses dire à Dieu, j'ai entendu les gens parler, mais le temps est arrivé que moi aussi je parle. J'ai entendu les gens témoigner, mais le temps est arrivé que moi aussi je puisse témoigner. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu es malade aujourd'hui, je serai abasourdi, je serai stomaqué,
que tu rentres dans cet état. Tout dépend de toi. La clé de la guérison, de miracles, de ta délivrance ne se trouve pas au ciel, mais dans tes mains.